A comme accompagner le tout petit qui va au spectacle. A comme abécédaire. A comme Axotol Compagnie. B comme basset. B comme bébé spectateur. Être avec les bébés, c'est offrir ses genoux et ses bras. Être avec des bébés, c'est s'entourer de sourires, de regards pétillants, de rires, de pleurs. Mais des bébés, c'est aussi l'activité, rouler, tourner, saisir, jeter, râler, ramper, s'agripper. Être avec des bébés, c'est s'obliger à s'inscrire dans leur réalité, leur temps. Du coup, oui, être adulte avec des bébés au spectacle peut être déstabilisant. C'est comme Clotilde. C comme chorégraphe. L comme Lafon. L comme lectrice. R comme regard. Le spectacle, lieu du déplacement des regards, mais aussi de regards en miroir où se découvrent de nouvelles versions de chacun. L'adulte découvrant son enfant être un autre en vivant l'expérience du regard. L'enfant expérimentant son adulte transformé par sa propre expérience de jeune spectateur. L'artiste découvrant une lecture de son travail dans le regard des spectateurs. R comme Rouchouze. T comme Thierry, T comme Trace. Une maman, quelques jours après une représentation. Ma fille a fait aujourd'hui des mouvements tout en lenteur, au même rythme que le danseur. Nous ne pouvons pas savoir ce qui fera Trace dans un spectacle chez le tout petit. Mais peut-être qu'un adulte attentif, ayant vécu la même expérience, saura déceler cette trace, même longtemps après. V comme violoniste. V comme Virginie.